Bonjour tout le monde, bienvenue à cet épisode numéro 14 de BGM avec le Wild du Minnesota. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a en vue? On a le repêchage en effet. On n'a pas beaucoup de choix, je pense qu'on a le premier, peut-être les choix de Thor. Je pense au 4e, au 5e, au 6e et 7e. Je pense pas qu'on a 2 et 3, mais je pense qu'on a toujours notre premier. Et j'ai pensé à quelques échanges. On va proposer un transfert et on va aller voir les joueurs qu'on veut bien sûr laisser partir. Taves, regardez Taves, sa valeur d'échange, elle n'était vraiment pas comme ça avant. Tant mieux si elle est devenue. tant mieux. Bon, gardien Kemper, Brodeur a pris sa retraite. Je m'en doutais légèrement. Alors, ici, on n'a rien à échanger. Kemper, on le garde. En attendant de voir ce qu'il peut donner. Hutton, on le garde. Bon, voilà. Gardien, il n'y a rien à donner. Défenseur, maintenant. Suter, combien d'années? 10, on le garde. Brody, on le garde. Fowler, on va le garder parce qu'on l'est allé chercher il n'y a pas longtemps. On va le tester encore un peu. Leblanc, si vous aimez mieux. On va le garder aussi, c'est un jeune. Dumbo, on le garde. Spurgeon, 83-26 ans. On est obligé de le garder, il reste un an à son contrat. Babchuk, on le garde aussi, même s'il reste 0 année à son contrat. Et le reste, on ne peut les changer. Bon. Ailier droit, est-ce qu'il y a quelqu'un? Sprung, Fontaine, non. Rien à échanger ici. Ailier gauche, Barzy, Vanek, Hula. Je pense vraiment à l'échanger. Parce qu'il a vraiment pas fait le travail. Et en plus, il baisse overall. Alors, je pense à l'échanger. Zuke aussi. Et à l'attaque, Brodiak est sur le point de partir. Peut-être Veil ou un Loktionov ou un Schroeder. Alors, un des deux sur trois vont partir ici. Alors, on va y aller. On va y aller avec ailier gauche. Hula, on va l'échanger contre un choix. C'est sûr et certain contre un choix de première ronde, si possible. Choix au repêchage. Anaheim veut donner son choix. Beaucoup trop haut. On va y aller comme ça par équipe. Boston, ça pourrait peut-être se faire. On va voir. Refusé. Alors, il manque pas gros d'après moi. Je pense que là, on peut donner un gars comme Zucker. Ah, malgré que Zucker, il reste un an à son contrat, alors c'est sûr qu'on peut pas le placer dans l'échange centre. Est-ce qu'il y a des joueurs qui leur restent plus que deux, Loktionov 2. Alors, Loktionov va partir. Est-ce que ça le fait? Refusé, encore une fois, un peu trop faible. Brodiak. Au plafond, au maximum du plafond. Alors, il faudra aller chercher un autre joueur. Un centre, je pense, à peut-être Marner, non. Noel, non. Kelly, non plus. Est-ce qu'ils ont des joueurs? Non. Elle y est droit. Seth Griffin, ça pourrait pas être un mauvais choix. Attaquant, top... Ah, non. Il y a vraiment pas les stats qui vont avec. Peut-être aller... Faut juste aller chercher un gars avec de la masse salariale. C'est ce qu'il faut aller chercher. Je pense à un gars comme Kelly qui reste un an. Là, ça peut le faire. Et on peut peut-être aller chercher un choix de deuxième ronde. Choix de repêchage. Choix de troisième avec ça. Est-ce que ça le fait? Oui, ça le fait. Alors, Ola, Loktionov c'est qui donc? Brodiak, c'est ça, contre. Un first pick, Kelly, qui ne jouera probablement pas. Et bien sûr. Un troisième choix, c'est ça. Désolé, j'ai vraiment de la misère. Il est tard, il est 2h du matin. Mais bon, c'est pas important. Joe Thornton. Ok. Luongo est prêt à partir. Thornton est prêt à partir. Pittsburgh. Tout le monde déborde d'émotion. Joueur repêché. Liste propriétaire. Bon. Il est où le choix de Boston? Il est au... On a le 22e et le 25e choix. Alors...
Est-ce qu'on peut s'avancer dans le choix? On va aller voir joueur évalué. S'il n'y aurait pas des joueurs qu'on veut aller chercher à tout prix. Attaquant top 9 franchise. Benson, Burmistrov. 7e Leaf. Premier, deuxième tour. Ça pourrait pas être mauvais. Attaquant top 9 non plus. Est-ce que gardien, on en a? Non, c'est ça, gardien, on n'a rien trouvé. Premier, deuxième tour, franchise. Alors, pensez-vous qu'on peut s'avancer? Mettons qu'on y voit avec un quatrième choix. Mettons Washington pourrait peut-être penser donner leur premier choix contre. Je pense donner mes deux premiers choix, donc celui-là. Et celle-là. Non, 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 ça c'est trop. Je pense peut-être donner celui de Boston avec notre troisième choix. Est-ce qu'il y aurait des joueurs que je voudrais donner aussi? Centre. Gordon. Non. Veille, non. Kelly, non. Ailier gauche. Zucker, non. Delarose, non plus. Ailier droit. Non. Défenseur. Spurgeon. Si on est pour aller chercher ce défenseur-là, je pense que Spurgeon peut partir. Ah non, Spurgeon ne peut pas partir. Laissez faire. Falk. Scandella pourrait peut-être partir. Et gardien, non. Choix repêchage. Notre sixième. Et notre cinquième. Non, 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 c'est sûr que non. Quitter, bon. Non, 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 non. Peut-être Dallas, ils devraient peut-être donner leur choix. Non, ils veulent pas donner leur choix. Buffalo veulent-ils donner leur choix? Non plus. Buffalo Flyers veulent-ils donner leur choix? Non plus. C'est compliqué, ça prend du temps. Ça prend de la réflexion. Au Flyer, ça pourrait pas être mauvais, là, honnêtement. Contre le premier de Boston, avec le troisième, le sixième, et défenseur Scandella. Plus de 50 patineurs. On va chercher une équipe qui veut tout ça, premièrement. Ben, en fait, qui veut le plus? Toronto, est-ce qu'ils ont le bon choix de première ronde? Choix repêchage. Il n'y a pas de l'air si bon que ça. Caroline. Choix repêchage. Attendez, ça bug. Bon, Caroline. Non, il y a l'air d'avoir un très bon choix repêchage. Calgary. Ok, Calgary. On va y aller pour ça. Toute marche, manquerait juste un gros parce qu'on sait, je sais que Calgary est assez haut. Alors, troisième, deuxième de 2018, je pense que ça le ferait. Refuser, ça prend quelque chose d'exceptionnel. Je pense que ça va être très difficile et je pense qu'on va laisser faire, on va garder nos choix et on va option de simulation, simuler jusqu'au choix de l'utilisateur. Vraiment de la difficulté à. La difficulté à faire un échange pour un choix. Bon, on va y aller par potentiel. Ok, bon, on va y aller par ronde d'abord. Pardon. Whittenaker, autre attaquant. Miner. Bon, c'est tous des joueurs que je ne sais aucunement. Que je n'ai aucunement drafté. Il faudrait que j'aille dans les autres pays pour. Je vais scouter. Bon,
faut vraiment y aller avec nos besoins. Alors, des top 10 ici. Là. Vishnevski, est-ce qu'on a besoin d'If? Je dirais plus que quand on vient d'échanger, on a plus besoin d'attaquants. Fait. Un attaquant polyvalent, un fabricant dur, un aile gauche. Aile gauche, franc-tireur, Bailey. Voilà le choix qu'on a fait. Option de simulation, on simule jusqu'au choix de l'utilisateur. Voilà, là je pense qu'un défenseur, ça pourrait pas être mauvais du tout, du tout, du tout, du tout. Défense. Défense, 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 défense. Top 10, ok, défenseur offensif top 10. Je pense que je vais l'essayer. Défense. On va y aller avec une chance. Top 10, Zarkov. On va, option de simulation, simuler jusqu'au choix de l'utilisateur. Troisième round, on peut peut-être essayer d'aller chercher un gardien de but parce que je sais que les gardiens de but peuvent en avoir des bons dans les rondes assez loin. Alors, gardien de but. Encore essayer d'aller repêcher un gardien de but. Là. Oh, cinquième, sixième tour. Oh my god, non. Laissez faire les gardiens de but finalement. Non. Ilya Zarkov, non. On va aller dans LAJMQ, bon. On va aller pogner un joueur LAJMQ en troisième ronde, ça pourrait être pas pire. Centre. Marcou, Harwell, Beauvier, voir des joueurs que je connais. Aucun joueur que je connais là. Ailier gauche. Aucun joueur que je connais là. Ailier droit. Boivin. J'avais vu un gars comme Neil tantôt. Carl Neil. Ouais. Carl Neil joue pour le Phoenix de Sherbrooke, que je le connais. Alors, je vais y aller pour ce choix-là. Option de simulation, simuler jusqu'au choix de l'utilisateur. Je pense qu'il reste juste le sixième choix à faire. Et après ça, la vidéo va se terminer ainsi. Bon, 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 bon. On va y aller avec le joueur le mieux placé. Là. Gardien de but, peut-être. J'ai en effet aucune idée. 185. On va prendre le plus gros. 191. 185. 188. 178. Trop petit. 188. Plus haut, c'était lui. 191. Allez, choisir. Et c'est ce qui va mettre fin, je crois, à ce draft. Je suis quasiment certain. Voilà, draft terminé. On a 4 joueurs. Alors, on a beaucoup d'espoir dans les deux premiers. On va juste aller voir. Est-ce qu'on a le temps? Oui, on a le temps. On va juste aller voir les joueurs, qu'est-ce que ça donne. Les joueurs qu'on a repêchés. Alors, gardien de but. Finalement, le gardien de but. Voilà. 20 ans, 64. C'est pas mauvais. Honnêtement, c'est pas ce qui est le plus mauvais. Défenseur. Qui qu'on avait choisi? Carl Neal. 24 ans. 64 overall, 20 ans. Ouh, Div top 6, c'est pas mauvais. Zarkov. Ok. Et l'autre choix, est-ce que c'était un ailier droit? Non, un ailier gauche. Bailey's top 9. Bailey. Top 9, 66, c'est pas mauvais. Donc, on va se laisser là-dessus. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Laissez un commentaire, aimez la vidéo et partagez-la. Ça va m'être vraiment, vraiment utile. Sur ce, bonne continuation et à la prochaine.